Bonjour à toi, apprenti lecteur. Nous allons apprendre à lire aujourd'hui le son K qui peut s'écrire de différentes manières. On entend le son K dans beaucoup de prénoms. Camille, Quentin, Carla, Cassandra, Cathy, Katia, Chloé, Kevin, Candice, Capucine. Et tu en connais sûrement plein d'autres. Tu as dû remarquer qu'il y avait plusieurs façons pour écrire le son K. C'est ce que nous allons voir maintenant. On peut écrire le son K avec la lettre C, avec les lettres Q ou avec la lettre K. Tu es toujours là? C'est très bien. Avant de continuer, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne. Ça y est, c'est fait? Maintenant, tu ne rateras plus aucune publication. On peut continuer. La lettre C fait le son K devant A, O, U. Ce qui donne K, Co, Q, Quoi, Cou, Quand. En script. K, Co, Q, Quoi, Cou, Quand. Et en attaché. K, Co, Q, Quoi, Cou, Quand. Il y a une autre façon très courante d'écrire le son K en français, c'est avec les lettres Q, U. Comme donc A, K, K, E, K, K, I, Ki, K, O, Ko, K, En, Quand, K, Wa, Quoi. Et maintenant en script. K, A, K, K, E, K, K, I, Ki, K, O, Ko, K, En, Quand, K, Wa, Quoi, K, On, Con, avec une apostrophe parce qu'il s'agit de 2 mots. En cursive, K, Que, Qui, Co, Quoi, Quand. Et la dernière graphie du son K que l'on va voir aujourd'hui, il s'agit de la lettre K. K, Que, Qui, Qui, Co, Cou, Que, Quand, Quoi. Et maintenant en attaché. Ka, Que, Qui, Qui, Co, Cou, Que, Quand, Quoi. Et maintenant lisons quelques mots. Le, Ka, Do. Attention, le E à U se prononce O. Cadeau. Des confettis. Des confettis. Un coq. Un coq. Dans ce mot, tu as 2 fois le son K. Une fois écrite avec la lettre C, l'autre fois avec la lettre Q. Les qui y. Le son K s'écrit avec les lettres Q et U. I, qui. Un qui oui. Un qui oui. Que. Pour poser une question sur une chose, quoi, quoi, quoi. Pour poser une question sur une personne, qui. Pour poser une question sur le temps, quand. Attention, le D ne se prononce pas. Pour finir, une question que tu poses sûrement très souvent. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Cette vidéo t'a plu? Tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger tes premiers jeux de lecture. Et on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. J'apprends à lire les mots qui se finissent par et, s, r et l. À bientôt, apprenti lecteur.